ça a de la gueule, c'est une chanson à dépaver les rues. La chanson que vous allez entendre, chantée par M. Jean-Jacques, est une chanson qui a été écrite par Pierre Loucky 7 ans après Les Sardines. Pour ce coup-là, on réenregistre un vertu qui sera joué par une fanfare. Allez, chantons infâme vertu. Lorsque j'étais enfant, beau dans ma bambinette, j'écoutais mes parents comme un vrai chérubin. Aussi me laissait-on tourner la moulinette quand ma mère préparait du pâté de lapin. Jeune homme, je devins, j'avais de l'étoffe. Le monde fredonnait mes tout premiers refrains. Et là j'en rencontrais, avertissant Christophe. Ce fut pour moi le commencement de la fin. Infâme averti, tu fais pleurer ma mère. Quand ma mère pleure, les voisins pleurent aussi. Quand tout le pays pleure, des bords de la rivière, Yonne est en crue cruelle, par ta faute avertie. Ma mère, elle rêvait de faire de moi un homme, et non pas un pantin, par tes doigts pervertis. Maman, maman, pardon, maman, maman, pardonne. Pitié pour ton enfant, pitié pour ton petit. Maman, maman, pardon, maman, maman, pardonne. Si je tourne mal, c'est la faute à avertir. Si bien que maintenant, dans mon petit village, où je fus un bambin, si pur et si gentil, la mère à son enfant dit, si tu n'es pas sage, ce soir on te mettra l'émission d'averti. Vous autres qui fuyez sur la première chaîne, pensez à ma maman qui ne bougera pas. Maudissant averti, elle subira quand même. Et s'il n'en reste qu'une, elle sera celle-là. Infâme averti, tu fais pleurer ma mère. Et quand ma mère pleure, les voisins pleurent aussi. Quand tout le pays pleure, des bords de la rivière, Yonne est en crue cruelle, par ta faute avertie. Ma mère, elle rêvait de faire de moi un homme, et non pas un pantin, par tes doigts pervertis. Maman, maman, pardon, maman, maman, pardonne. Pitié pour ton enfant, pitié pour ton petit. Maman, maman, pardon, maman, maman, pardonne. Si je tourne mal, c'est la faute à avertir. Alors, cette chanson-là, je suis très content de pouvoir encore en parler à 80 ans bientôt. Que dire de cette chanson si on va en faire une glose infinie? Ma mère utilisait un hachoir à viande, modèle Perfecta numéro 38. Mon père était employé quincailler et on avait rapporté une à la maison. C'est une moulinette verticale et non pas horizontale. C'était un hachoir impitoyable.
le foie, la rate, les intestins, tout ce qui était bon à bouffer dans le poulet, toute la tripaille des lapins passait dans le hachoir à viande. Et puis, comme j'avais passé un bébé en celluloïde, acheté dans une boutique qui en avait plus de 200 avant, depuis 150 ans, près des buts de Chaumont, j'ai pris tout le tas, il y en avait partout sur les plateaux. J'en ai donc passé un au hachoir, bimoulinette, et ça a marché. L'horreur a été lente, on voyait le bébé disparaître par trucage électronique. Les journalistes, quand ils ont vu l'appareil, le hachoir, ils devaient découvrir l'instrument, ils n'en avaient jamais vu probablement. Les journalistes ne sont pas des gens curieux et instruits. Ils ont appelé ça la moulinette. Alors, la moulinette, c'est pour la purée. Et les pommes de terre et les carottes, et c'est une chose qu'on tourne horizontalement, alors que le hachoir et la vis de la manivelle est horizontale, et la bidoche... Donc ça a donné à Pierre l'idée d'écrire une chanson qui s'appelait « Infâme », accent circonflexe, « Averti ». Et c'est un chef-d'œuvre. Et moi, comment qui ai fait le con? Vous allez arrêter de faire du bruit quand je parle.